pas plus mal, comme ça j'aurai de plein de trucs bien tout filmé, j'aurai plus qu'à installer après, enfin à faire le montage, et ce sera des trucs que je pourrai uploader, hein. Ça sera toujours ça en plus. Tu peux arrêter de crier. Arrête, c'est donc ça. Ah oui, ça, ce que vous venez de voir est une petite valise que l'on peut repérer, récupérer un peu partout dans les niveaux du jeu. C'est un peu chiant à trouver tout le temps, hein. Ça, c'est un truc à compléter qui rajoute un peu de la durée de vie. Vous devez, il y en a 30 en tout dans tout le jeu, hein. Oh là là. Et hop. Wow. Une embuscade. S'agit dans le coin, tire-toi d'ici. Mais s'en fout. Ah. Je me dis qu'il fallait pas que je sorte de suite. Ah oui, c'est parce qu'ils ont des mitrailleuses lourdes apparemment. Coucou. Ouh. Je... Oh, oh putain quand. Faut vraiment rester à couvert si on veut pas mourir. Putain. Ah oui, c'est par là-bas. Ça se passe. Alors, tu sais ce qu'il fait rire, il me dit, je vais te sortir de là. Ok, et t'es où? Tu fais quoi? Ouais, devant mon PC, j'ai dit qu'un chemin à suivre. Merci, sympa. Moi, je peux le trouver tout seul au final. Hein. Pas forcément besoin de toi. Alors. Alors, ça fait rire parce que, pour la petite histoire, à la base, moi, je m'acharnais à essayer de passer jusque là-bas, alors que c'était totalement impossible. Et c'est mon petit frère lui-même qui m'a dit, et pourquoi tu passes pas par là? Je me suis senti vraiment, mais alors, le plus abruti possible. En même temps, ils mettaient des flics dans les escalators. Moi, je me suis dit, ok, il faut les avoir, c'est une condition nécessaire. Mais même pas, non, ils sont là pour décorer, quoi. Merci, c'est clair que me dire de continuer, c'est très utile. Au pire, j'aurais pu rester là-bas, hein. J'adore un petit midi, tu crois que Robert t'a piégé? Non. Merci, Captain Abuse. C'est gentil de ta part. Non, 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 évidemment, il ne m'a pas piégé, voyons. C'est pourquoi il y aurait tous ces flics qui m'attendaient bien chaleureusement. C'est vrai que Merc, c'est vraiment l'archétype du personnage qui te fait des remarques cons qui sont censées servir à avancer. Alors que putain, mais c'est des trucs qui sont tellement évidents que... Oh non, mais... Le personnage en lui-même est intéressant, mais c'est ses remarques qui le rendent un peu, qui le décrédibilisent un peu. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Alors, ne pas passer là-dedans, sinon je vais me faire hacher. Et hop. Oh, fais, ça arrête de te plaindre. Alors, c'est par là. C'est encore un métro. Oh, c'est le reste de la galerie marchande, je sais pas. Donc il faut que je me pousse. Dans les testicules. C'est possible de le tuer, hein. J'ai déjà essayé, c'est possible.
je fais pas ça comme un... Ah merde, je fais pas ça comme un kamikaze qui aurait rien compris, c'est vraiment possible de la battre. Ah, je me suis débarrassé du sniper, il ne revient pas, donc là c'est le plus gros problème qui a été résolu. Bon, là par contre le freeze, hein, merci. Bon, alors. Et hop. Et hop. Merci, ça c'est très utile comme information. D'après vrai, il doit y avoir une sortie de l'autre côté de la triage. Il doit trouver un moyen d'atteindre. Déjà, je pense que je suis comme à peu près la quasi-totalité des personnes qui ont joué à ce jeu, c'est-à-dire je ne me repère pas par rapport au bâtiment général, mais par rapport à la suite des plateformes. Je pense que je ne suis pas le seul. Ah bah quand même. Non, je pense que là je suis bon là pour enchaîner. Excusez-moi, hein, je suis toujours aussi malade en même temps. Je suis toujours en train d'enchaîner depuis le début là, donc j'ai pas pu changer en quelques minutes. Jackknife. On dirait une bête sauvage qui est prête à... Et vlan dans ta bouche. Hey Face, ça me fait plaisir de te voir. Avec un petit peu de persuasion, Rob Byrne a été plutôt bavard. Il m'a dit qu'il devait voir le tueur de Pope au New Eden. Et tu me remercies, hein? Mais une fois là-bas, devine un peu qui m'attendait. Aucune idée, Face. Mais ils ont un petit fail au niveau des dialogues. Ça te dit vraiment rien du tout? Non, Face! J'ai rien fait! Réfléchis. Si je voulais te tuer, tu crois pas que je pourrais me débrouiller? Un minable comme toi n'aurait pas fait tout. Ah, ne me vexe pas. Rob Byrne est mort. Impressionnant. C'était pas moi. Tu devrais surveiller un peu tes fréquentations. J'ai appris à le faire il y a bien longtemps. Voilà, toujours des rancunes. Ben maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais me sauver, Face. Les affaires. Enfin, tu sais ce que c'est. Et c'est quand même de pas te faire tuer. Merde, tu arrives à faire semblant de pas entendre. Tu disais? Tu peux faire des recherches sur Pirandello Kruger Security? Bien sûr, d'où ça vient? J'ai vu ce nom quelque part. Au bureau de Rob Byrne et... ailleurs, je crois. Le Max. T'as quelque chose? Une affaire privée. Alarme, défense, voiture blindée, protection rapprochée. Ils protègent le monde d'après la pub. D'où est-ce qu'ils sont? Ils ont des bureaux en ville. C'est ça les héros de jeux vidéo. Ils trouvent toujours un enchaînement ou même dans les séries américaines. Ils te disent, ah bah tiens, on va enquêter sur ce côté-là, sur ce petit machin. Alors que n'importe quelle personne normalement constituée n'y penserait même pas. En même temps, je ne pense pas qu'on puisse qualifier Faith de personne normalement constituée. En même temps, quand tu fais ce qu'elle fait... Entre par le chargement. Alors... Ça, c'est un passage un peu délicat. Voilà, c'est ça qui est délicat. Non seulement faut faire le saut contre le mur, mais en plus à chaque fois ça me fait revenir là, c'est un peu chiant. En fait, la première fois que j'ai fait ce passage, je galérais beaucoup à atterrir là-dessus, en sautant là et en attirant là-dessus. Mais le problème, c'est qu'à force de le faire, de recommencer, maintenant je sais super bien le faire. Ah bah tiens, je savais pas que... Évidemment, elle ne pouvait pas, hein. Espèce de cruche.
J'allais dire les femmes, mais après bon. Je ne sais pas si j'ai un public, s'il y a une moindre personne de sexe féminin dans mon public, mais même une seule personne suffit. Je n'ai pas envie de froisser les demoiselles. Tout de même. Moi je dis ça, mais moi hein, je déteste être un gentleman. On va me dire, ouais ok, ça plaît aux filles, mais en fait quand on réfléchit bien, faire le gentleman c'est une forme de sexisme, qu'on le veuille ou non. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais en général, alors, les filles, elles en général, je dis les femmes en général, hein, elles détestent le sexisme. Pourtant, être un gentleman, c'est déjà faire preuve de sexisme. Donc c'est un petit peu paradoxal. Après, bon, il y a que les formes de sexisme qui les dérangent. Et d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde, hein. Par exemple, hein, je vois dans la rue, comment dire, oui, les personnes de peau blanche, voilà, on va dire, parce que moi, j'accepte la diversité et tout, je suis pour la diversité ethnique, blablabla, blablabla. Bah, eux, voilà. Pour eux, c'est normal de critiquer, enfin, je dis normal, c'est selon eux, hein, je dis bien attention, de critiquer les personnes à la peau, ben, autre que blanche, mais par contre, quand c'est eux qui sont critiqués, alors là, c'est un scandale. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait beaucoup rire, de dépit, surtout de dépit. Je me dis, ah, mais comment on peut être aussi con? Attends, tu me diras, il n'y a pas que ça qui montre que les gens sont cons, hein. J'ai pas mon mot à dire là-dessus, hein. Et je dis juste ça histoire de discuter, quoi, vraiment de... Parce que là, voilà, c'est bien sympa une séquence gameplay, mais autant que je parle un petit peu. C'est pour ça que je cherche toujours un assistant, hein, vraiment un assistant à proprement parler. Parce que voilà, c'est un peu fatigant d'argumenter, entre guillemets, en étant tout seul. Puis c'est douloureux pour la gorge. Donc, comme je disais, voilà, il y a des gens, vraiment, ils sont, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, génial, le coup des interférences quand il dit un truc important, ça, c'est un truc qui m'a toujours fait délirer, même dans Portal, par exemple. Au début, t'as GLaDOS qui te donne des indications au niveau du Portal Gun, mais à un moment, du Portal Gun, pardon, mais à un moment, il dit, mais surtout, ne pas, et là, paf, bug général, tu entends pas. Bon, ça fait partie de l'humour du truc, mais bon, c'est flippant. Quand moi, la première fois que j'y ai joué, je savais pas du tout que c'était un jeu façon déconne. Et moi, le moindre truc que disait GLaDOS me faisait flipper. Genre, par exemple, pour ceux qui connaissent... Putain, Face, qu'est-ce que tu fous? Son délire avec le cube de l'amitié, notamment quand elle a dit « Ne faites pas attention si vous croyez entendre votre cube parler. » Alors moi au début, mais ou alors qu'il essaye de vous tuer. Moi j'étais vraiment dans un état de flip. Je me disais putain, ce truc va me tuer. Il va me charcuter. Mais c'est que quand j'ai demandé à un ami qui d'ailleurs c'était lui qui me parlait souvent de Portal, j'ai demandé qu'est-ce que c'était que cette histoire. Il m'a dit ah non non mais t'inquiète pas, c'est un délire de GLaDOS. J'ai dit, ah ok d'accord carrément. Enfin bon bref. Oh. Comment tu sais ça? Ah le bâtard. Je peux pas passer, il y a trop de snipes, je vais me faire bourriner à la tronche. Bon ça passe ou ça casse. Allez, Geronimo. Yata. Watata. C'est parce que le premier il m'a... Bah il m'a eu hein, autant le dire. Et hop. Merde, j'ai pas pu récupérer son fusil. Ah si. Lui sa position, là c'est l'enfer. Merde, où est son arme? Putain, elle est en bas! Alors ça, c'était pas joli.
Voilà. Même si il en reste, mais au moins. Bon bah moi j'aurais essayé hein. J'aime bien moi ces petites séquences de combat parce qu'elles sont intéressantes. Notamment au niveau tactique car on sait qu'à la base on est sans armes. Le but déjà premièrement récupérer une arme et surtout hein, surtout qu'on n'est pas invincible. Alors toi je fais bien attention pour bien récupérer ton flingue. Tu m'as pas vu. Je t'ai vu. Tu l'as dans le cul. Oui, c'est mieux que le... Je suis venu, j'ai vaincu. C'est plus classe. Je suis venu, je t'ai vu, et tu l'as dans le cul. Là, par contre, là, c'est moi qui l'ai. Ta gueule. Voilà. Récupère le snipey. Il est où? Die. Alors ensuite on a ici. Ensuite on a ceux d'en bas. Alors ils sont où? Ils sont là. Alors ensuite. Et pan en rate et pan dans ta gueule. Oh ouais, j'aurais pu faire comme ça aussi. Moi il y en a plus normalement. Ah, j'ai voulu la faire un peu trop classe, résultat bah je dois tout recommencer. Bon bah au moins voilà, vous voyez que je sais le faire quand même, je suis pas nul. Enfin au niveau de tuer tous les ennemis quoi. De toute façon c'est pas comme si c'était difficile hein. Du nouveau, tiens. Ah. Oh yeah. Ça c'est classe comme truc. Par contre là je sais pas ce qui se passe. Si je vais crever là. Sympa. Lui sa position c'est en enfer. Où est son flingue? Bordel, c'est pas possible. C'est la deuxième fois que ça fait le coup. Et là, il va falloir que j'aille voir le snipey qui est là-bas. Mais merde, non, Face, pourquoi tu vas là? Il est possible aussi d'esquiver tout ça, évidemment. Mais bon, c'est beaucoup moins classe. Vous serez d'accord avec moi de ce côté-là. Vite avant qu'il n'ait l'idée d'ouvrir la porte, ça devrait leur prendre un petit moment. En général, ouais, ça leur prend un petit moment avant qu'ils décident d'ouvrir la porte et me suivre. Ah! Bon, c'est pas grave. Merde, non, c'est pas le bouton. Attention, là, il y a encore des ennemis. Et hop! Ah, là, il a eu le temps de bien m'avoir. Excuse-moi. En fait, là, j'ai l'habitude d'adopter la technique que j'utilisais en easy. Mais j'ai tendance à oublier que le easy rend les choses plus faciles, justement. Parce que c'est classe d'arriver comme ça. Voilà, donc lui, il me tire dessus. Et hop! Mais là, tu vois, j'appuie sur le bouton au bon moment, sauf que ben ça le prend pas en compte. Peut-être parce que je spamme le bouton et qu'il faut pas spammer le bouton. En même temps, comment tu veux savoir quand est-ce que c'est le bon moment? En général, tu flippes, tu dis putain merde, il va me tuer là.
Ça risque de prendre un petit moment, hein, je vous préviens, hein, mais bon, vous inquiétez pas. Je vais essayer de me dépêcher un peu. Ah, oh, bah tiens, j'ai un ami qui joue à Counter-Strike. Ah bah, je comprends qu'il m'ait tué, putain, avec ça. Ah là c'est moins drôle. Ah lui, c'est qu'un coup de poing dans la tronche. Ah ça c'est incompréhensible, ils viennent de nulle part. Ça va être de la porte fermée. Bah en même temps hein, c'est un truc de sécurité qui c'est même pas capable de garder ses propres locaux hein. Quand je disais qu'il a vraiment des remarques à la con des fois. Faut attendre un peu. Voilà. Ça parce que là, je me rappelais que j'avais cherché partout la valve alors qu'en fait ça s'arrête de temps en temps. Enfin la vanne plutôt. Ou la valve, je sais plus. Oh oui non c'est plutôt la valve. Ah qu'importe.